Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Trickstyle sur Dreamcast, un jeu qui est sorti d'ailleurs que sur la console de Sega ainsi que sur PC. Et dans un sommaire assez incroyable. Y a pas de musique, y a pas de son. Master Volume, c'est de l'audio. Ouais, ça paraît bizarre quand même. J'espère qu'il y aura des sons en jeu. Graphique, on a un widescreen, non. On peut afficher son desurfer, on peut voir le type de checkpoint. Donc c'est un jeu de course. D'ailleurs on a le cheat, je suis en train de me rendre compte. On peut jouer à deux joueurs, on va tenter le mode un seul joueur. On va prendre le port B, peu importe. Et on va rentrer notre nom. Je me demande d'ailleurs si c'est normal qu'il n'y ait pas de son. Regardez la trajectoire des lettres, on va faire end. Et on va faire OK. Yes. This is my name. Et on a le Vélodrome. Ouh là, ça va faire plaisir au. Ça fait plaisir aux fans de l'OM. Alors, welcome to Freestyle, here is your guide and I'm here to train you. Alors, je suis ton guide et je suis là pour t'entraîner. Choisis un surfeur et une borne. Alors, quand tu es prêt, tu vas me trouver au centre du vélodrome. Ok. Alors, on peut choisir le bouton A pour choisir un caractère. Donc, j'ai un personnage. On a donc. Angel qui vient de l'Angleterre, on a Brad qui vient d'Australie, on a King qui vient de Cuba, Mia qui vient de France, on a Rose qui vient de Jamaïque, Rosie, on a Max qui vient de Germanie, alors Max, très courant en Allemagne hein, comme vous le savez tous, Shin qui vient de qui vient du Japon, Uri qui vient de Russie, et Zach qui vient des USA. Ah oui, c'est marrant parce que c'est le stéréotype pur de la Russie. On dirait Bison, un petit peu dans Street Fighter. Shin, c'est un Power Ranger. Ah ouais, ils ont fait tous les stéréotypes en fait. Alors lui, je sais pas pourquoi. Jamaïque en vert, on est d'accord. Je pense qu'il y a des traits spécifiques à la France. Bon, elle, à part qu'elle est déshabillée, je vois pas trop le truc. King, bah, King, c'est le roi de la musique, je veux bien, mais je vois pas le rapport avec Cuba. Et lui. Random 1 et elle, l'Angleterre, pourquoi pas, j'ai pensé aux Spice Girls, les filles épicées. Donc on va prendre un Power Ranger pour commencer, pourquoi pas, après tout. Et du coup on est en mode rookie, donc rookie board. Ah oui, donc là on choisit nos boards, ouais complètement, notre skate. Ça ressemble un peu au Sphinx, enfin, ressemble un peu. Entre parenthèses à l'overboard que l'on a dans Retour vers le futur, sauf qu'il est un peu plus. Elle a un peu plus bardé technologiquement parlant. Et donc on a les stats, on a la vitesse. Là oui, on est en mode rookie, donc tout est au même niveau. Que ce soit la vitesse, la force, le skill. On va dire on doit faire des tricks. Hein. Et trust, je sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que tu as besoin d'un quick training? Start training, skill training, current game. On va faire un. On va le faire évidemment, puisqu'on connaît pas. J'ai vous en même temps que vous. Alors, on a un jump training donc pour apprendre à sauter. J'ai placé 6 globes sur la terre. Ce que tu as besoin, c'est de collecter dans un temps limité. Plus A to jump for the high one. Continue. Allez, c'est parti. The birdie. Alors, comment on avance? J'ai fait de la speed luge. Comment on avance? Ah, ok. C'est avec la gâchette. Ok, donc la gâchette, on avance. On peut sauter avec le bouton B, tout simplement. Parce que j'ai pas forcément besoin de sauter, puisque de toute façon, il saute automatiquement quand on est un petit peu en hauteur. On a 1 minute pour les prendre tous. Là, on va sauter. Voilà, c'est fait. Et on a réussi. Il y a de la musique. Je pensais qu'il n'y en avait pas, et en fait, il y en a. Donc c'est parfait. Ça fait un peu moins sommaire que prévu. Alors, du coup, bien joué. Et maintenant, essayons la prochaine leçon. J'ai l'impression qu'il y a un effet de bump mapping en dessous. Jump spin training. Si tu fais un 360 dans l'air, tu vas sauter plus loin. Et c'est X du coup pour faire un 360. Alors, tu dois pratiquer par collectionner 4. Ok. Est-ce que je dois le faire? Ok.
Ok, c'est pas mal ça. Alors le maniement est ultra fluide. Voilà, on a un jump in the air. Allez, allez, allez. Mettre les bras en l'air. Oh là là, je crois que je l'ai pas réussi. J'en ai collecté qu'un seul pour le moment. En fait, depuis tout à l'heure, je crois que je les prends, mais pas du tout. On va essayer d'attendre un truc. Ouais, on en a un. Double jump training. Et on est tombé. On peut tomber. Voilà, ça c'est bon. Et on a le quatrième qui est là. Ok, donc on va essayer de le récupérer en passant par en bas. Ah, j'aime beaucoup. C'est très agréable maintenant à... Très agréable à piloter, à manœuvrer, on va dire. Parce que c'est pas une voiture non plus. Good job! Ok, t'es en train de prendre la main. On va passer au troisième entraînement. Alors c'est un jeu qui est édité par Criterion Games, enfin créé par Criterion avec le moteur Renderware qui était leur force de frappe à l'époque. Hein. Tous leurs jeux de Criterion étaient faits par ce moteur de jeu. Et c'était le moteur de rendu de fin des années 90, début 2000, hein, quasiment énormément. C'était le Unreal de l'époque. Alors Smash Training, donc là c'est Y. Et avec Y on va faire un boogie drill. Ça va t'aider à casser la glace. Quand tu dois courir à travers les oups, je sais pas ce que c'est. Donc c'est parti. Ok. Donc là on va casser. Voilà, ok. Bon, ah, on s'est loupé. On a que 15 secondes, alors évidemment j'ai vu que j'ai tout raté, ça va pas le faire. Est-ce qu'on peut ralentir? Je crois pas, il y a un petit effet de gravité. Et j'ai complètement raté. Complètement raté mon saut. Ah ouais, alors c'est pas facile en fait, parce qu'il faut vraiment faire ça dans le bon. Je pense qu'on a raté. Non, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, on va recommencer. Restart. Parce que là on commence à enchaîner les touches, du coup c'est pas évident. Ok guys, on y va. Bon, le premier est facile parce qu'il est au sol. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Oh, what? Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, on va essayer de... Alors, je pense qu'on freine avec l'autre gâchette, ça c'est bon. Eh, pourtant, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Eh, il a pas voulu, là. Ah, je vais rater encore. Ouais, time out. On va recommencer, c'est pas grave. Après, on n'est pas obligé forcément de réussir entièrement, mais du coup, on apprend les tricks, donc c'est un petit peu intéressant. On va retenter. Ah, oh, pas de chance. Allez, c'est parti, on fait restart. On va y arriver, vous inquiétez pas. Alors, le truc, c'est que le... En faisant un plein saut, c'est chaud, je trouve. Ça passe. Parce que le dernier, il faut bien que je puisse sauter au bout d'un moment. Ah, il l'a pris. Yes, on a réussi. Je pensais qu'il y en avait deux. Il fallait sauter en même temps, mais là ça va. Alors du coup, il va falloir vraiment enchaîner. Hein. La musique est ultra calme. On entendait un truc un peu plus techno, un peu plus bourrin, entre parenthèses. Pas du tout, hein. Le jeu est ultra smooth pour l'instant au niveau de la musique. Alors, prochain entraînement, Speed Ledge Training, press B to Speed Ledge. Ce saut peut être Stick Up Mid Trick. Avec cette position, on pouvait aller plus vite. Et on peut s'attacher au monorail. Ok. J'ai raté complètement. C'était pas prévu. Voilà, j'ai tout raté. Incroyable. Il y avait un truc à prendre, je l'ai raté. C'est magnifique. Allez, on va retenter. Ah, j'ai fait quitter. Ah zut. Bon, de toute façon, on avait 4 touches. Ah non, c'est bon. Non, je pensais qu'on avait fait quitter. Allez, on va faire continuer.
C'est une blague. C'est une blague, j'étais dessus, ça l'a pas pris quoi. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé chaque fois de réécouter à chaque fois le train. Je vais mettre dessus. Non. Non, non, je n'y arrive pas. C'est pas possible. Pourtant, j'ai appuyé sur B. Ça n'a rien fait du tout. Ah oui, il faut avancer avec. Ouais, c'est pas évident quand même. Bon, c'est pas grave, on va faire restart. Mais je pense, est-ce qu'on peut quitter l'entraînement? Bon, vous avez compris, il y a quatre options. On va essayer d'avancer un petit peu, parce que sinon on n'aura même pas le temps de voir une course. Oui, non mais à la vache, je voulais pas le faire, au secours. Voilà, en plus j'ai encore raté, c'est génial. Je sens qu'on va galérer. Ah, on peut faire que continuer à chaque fois. Je sais pas comment le prendre. Hein. Honnêtement, je comprends pas. Non, encore une fois, il a pas pris. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, c'est pareil. Bah, c'est pas pareil, il a pas eu. Ou alors, faut le faire bien avant, je sais pas. Bon, time out. J'espère qu'on va pouvoir annuler le training, parce que sinon, on en a pour la journée, là, je crois. Est-ce que je suis obligé de faire le training? J'espère qu'on n'est pas obligé d'aller sur le training pour sur la partie. Bon, on va en profiter pour changer de caractère. On va peut-être prendre par exemple. Bon, on va prendre Angel, la première. On n'a qu'une seule board, donc on va prendre celle-là. Voilà, skip training, comme ça au moins on est tranquille. Et on va enfin partir. Donc là, en mode practice, donc je peux faire des sauts, je peux m'entraîner. Je sais pas si on peut tomber. Voler. Ok. Alors je vais essayer au centre de la map. Je sais pas ce que je suis censé faire. Je suis en mode practice. Je suis obligé de réussir pour passer à la suite. Qu'est-ce que je suis censé faire là? J'ai fait un ollie, book drill. Ok. Ah voilà. New challenge, voilà. Enfin, new challenge. J'espère que c'est pas le. C'est pas le tutoriel, hein, s'il vous plaît. Ok, ça va être ton premier challenge. Il faut que je traverse à travers. Faut que je passe à travers les cerceaux. Oh non, pitié, sans déconner. Non, pas les cerceaux! Mais je sais pas le prendre, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Au secours, quoi. Et je n'arrive pas à le prendre, donc je sais pas comment tu veux que j'aille de l'autre côté. Ça marche jamais. À chaque fois que je veux appuyer dessus... Regardez, ça ne marche jamais. Ah si, c'est bon. Ouais, bon, enfin, c'est vraiment pas gagné, moi je vous le dis. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a une possibilité quand même d'avancer dans le jeu sans faire le tuto, quoi. Try this, UK Race, Guild Race 1. Ah, attendez.
Try this. Ok, bad luck. Try this. Est-ce que je suis obligé de faire que le practice? Je comprends pas trop le menu, je vous avoue. Je sais même pas où je dois aller à chaque fois. Allez, on va avancer un petit peu. On va s'arrêter devant lui. Oublié de refaire encore. Mais au secours! Mais c'est pas possible! Comment on le prend? Comment on prend cette merde? Je comprends pas. Je comprends pas comment on prend ce truc. Mais prends-le! Mais. Ah bon, j'en ai déjà marre. J'en ai déjà marre, voilà, je me retire, c'est bien, j'ai perdu, je suis très content. J'aimerais faire la prochaine course, en fait, s'il vous plaît. Je suis obligé de le faire à chaque fois. Attends, est-ce que je peux sélectionner le challenge? J'avais marqué sélectionner. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je peux pas choisir le challenge. Ok. Bon sang, nous sommes bloqués dans une boucle spatio-temporelle. Tuez-moi. Mais sans déconner, à quel moment? Non mais comment on le prend? Comment? Je sais pas. Je sais pas. À chaque fois que je commence à faire de la luge, ça marche jamais. On va repasser. Il faut. Mais. Ah non mais tuez-moi quoi. Tuez-moi. Je n'arrive même pas à passer là. Je n'arrive même pas à passer le tuto quoi. Mais si je fais quitte, je vais revenir au début. Donc je suis obligé de le refaire en boucle en fait. Non, 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 c'est pas possible. S'il vous plaît, quoi. Non. Bon, écoutez, ce que je vous propose, on va faire une petite interlude et peut-être qu'il y aura une suite à cette vidéo. Alors, de retour. Enfin, je suis rendu compte de quelque chose. Si on est en practice, vous sortez du mode, vous êtes en practice, vous continuez dans les, vous continuez votre chemin dans la l'arène et vous allez dans les pays. Et là, typiquement, on s'est mis en Angleterre et on a choisi la première course qui était disponible. Voilà, tout simplement. Je me disais, mais c'est pas possible, on peut pas rester bloqué dans le jeu infiniment. Et donc, c'est parti pour une course. Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. On peut gagner pas mal de vitesse d'ailleurs en faisant ça. On a des petits boosts. Ah, je me disais bien, ça peut pas être que ça quoi. Alors, c'est la première course du jeu. On va essayer d'utiliser un petit peu ce qu'on a appris, même si c'est quelque chose qu'on a toujours pas réussi à faire dans le jeu. Mais... Donc, on a une course contre 3 autres IA, j'ai l'impression. Voilà, je ne sais pas le prendre. C'est pas grave, je ne sais même pas si ça a intérêt de prendre la luge de toute façon.
Le seau. Ah, on a deux chemins, on peut passer par le haut si on veut. Olé, on a fait un petit saut là. Double saut. Ah! Je me disais bien qu'il allait se passer quelque chose. Est-ce qu'on allait se prendre le dégoût ou pas? Ah, le finish est juste devant nous. Ok, donc il n'y a pas de tour, c'est ça d'une traite. Un petit peu comme un jeu de snowboard, un jeu de ski. Oui, du coup, voilà, on va se remettre dans le calme, ne vous inquiétez pas, on va revenir à premier camp, vous allez comprendre comment j'ai fait. En fait, on a un petit défi à faire avec lui. Donc là, on a le UK Race 2 qui est disponible et le Guild Race 1 que nous ne ferons jamais. On va faire directement Next Race. Peut-être qu'on peut faire la course. Parfait. On n'est pas obligé de revenir au lobby à chaque fois où on se balade dans le stadium. Le vélodrome de futur. On est plus que ça, on est 6. Ok, bah c'est parti. Je sais pas s'il y a un super départ, je pense pas, enfin j'ai pas l'impression. Alors est-ce que je peux aller? Je peux aller sur le mur. Ouais, ça c'est pas mal, bon par contre, on s'est complètement raté. Là, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bon? On est revenu. Ah. Ouais, donc on peut faire du snowboard, enfin du snowboard, c'est n'importe quoi, on peut faire du... On peut faire... je sais plus comment ça s'appelle... De l'overboard. Un peu partout, ça c'est pas mal. Le jeu est assez permissif, hein, pour remonter un peu partout. Il n'y a pas de boost, les boosts il faut aller sur les cases rouges. Parce que à chaque fois je me trompe de touche. Ah, le problème c'est quand on apprend d'un seul coup 4 touches d'un coup, c'est pas évident, ça sort un petit peu de l'habitude. Et tant mieux, le jeu prend des risques en fait. Donc ça c'est pas mal. Je sais pas du tout quelle a été le note de ce jeu, si elle a été bonne ou pas du tout. Alors, il faut aller là. Alors, je pense que comme on est au début du jeu, c'est peut-être assez facile. Donc là, j'ai raté tous les boosts. Du coup, ça va pas le faire. On a le finish qui est juste derrière. Et on a un score final de 2315. Je sais pas si on aura un mode de jeu, un mode freestyle, il va falloir faire des points ou pas. Pour l'instant, on est que dans le mode course. En tout cas, on a réussi la deuxième course Angleterre. L'Angleterre qui a bien changé hein, par rapport à l'époque. D'ailleurs, on a regardé, on n'a pas fait forcément un très bon score. Hein. Ils sont à 2000, 5000, 8000, on a 2003. Il n'y a que Rosie qui a fait moins. Congratulations, you did great that time. Keep it going. Donc, du coup, on a débloqué la course 3. Et ben, on va faire un next race. Je pense qu'il y aura pas mal d'environnements à débloquer. J'imagine que, étant donné qu'il y a autant de personnages que de pays, potentiellement, s'il y a 3 courses ou 4 par pays, ben on va avoir 8 fois... Je crois qu'il y a 8 personnages. Donc 8 fois 3, c'est quand même pas mal. Allez, départ. Départ moyen. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Ok. Bon, j'aurais tenté, ça sert à rien. Peut-être que si on a une autre board plus tard... Je fais n'importe quoi. C'est l'autre côté qu'il faut aller. Sauf qu'évidemment, comme je sais pas sauter, je sais plus où il faut aller. Voilà. Et on a perdu un temps monstrueux. Alors, on va voir si les IA s'adaptent à nous, est-ce qu'elles ralentissent un petit peu ou pas. Ah, elles ont pas l'air super rapides, regardez, là on les a déjà rattrapés. Par contre, il y a un temps. Un temps minimum. Et à chaque fois, je me trompe. Et voilà. Je trouve que le saut sur le bouton, bouton A, c'est pas fou en fait d'avoir choisi ça. J'ai plutôt tendance à utiliser le bouton B. Et bon. C'est juste une histoire d'habitude. Hein. Ouais, bah la luge, tu te la mets là où je pense. Hein. Ça sert à rien, il va être encore plus rapide que sans rien faire. De toute façon qu'on a le... On a limite un boost quand on fait ça. Oh, je me suis pris là! J'ai réussi à prendre le checkpoint, mais ça s'arrête là. Oh, on peut gagner un peu de vitesse quand même en utilisant la gravité pour...
Oh, non, 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 c'est loupé. Et voilà, du coup, on est bloqué à un endroit improbable. C'est génial, les gars. On va devoir tout recommencer. On est reparti. Oh là là, mon Dieu. Ça, c'est le genre de d'erreur qui va être compliqué à réparer. Quoique, non, ils sont vraiment ralentis. Chaque fois, je me trompe de touche. C'est incroyable. Attendez, on a eu time out alors que derrière nous, ils étaient tous au même niveau. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, on va recommencer. Keep trying, ok. Bon, on va retenter, hein, de toute façon. Bon, pour l'instant, c'est. Je dirais pas que c'est bien. Parce que l'IA est complètement aux fraises pour le moment par rapport à nous. Alors peut-être que la difficulté va augmenter, en tout cas, je l'espère. Mais le maniement est pas mal. Par contre, il y a quand même des zones du circuit où bah, c'est ultra. Comment je pourrais dire ça? C'est ultra punitif. Voilà. Si on se foire à certains endroits, je peux vous dire, laissez tomber, vous avez perdu trop de temps. Et encore là, on est au début du jeu, alors j'imagine après ce que ça va donner. Il faut passer les bus. Alors il y a encore des bus hein, dans les années futuristes, dans le futur. Ça, je pense que j'aurais presque pu le faire en descente. En descente, en utilisant le. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez comme ils sont à la ramasse. Alors, par contre, ils aiment casser la gueule, hein. Alors, ça leur plaît. Non mais, à chaque fois que je les touche, ils me plantent, c'est une blague? Non! Mais c'est pas possible! C'est pas possible, ils nous ont complètement bloqués, quoi. Oh, secours, quoi. Bon, en plus, on retape juste derrière le mur. Ouais, bah là, on va perdre énormément de temps, hein. On a plus que 29 secondes sur le temps. Je crois qu'on est encore pire que tout à l'heure. On va rattraper. Moi, si ça va, on est un peu en avance par rapport au temps tout à l'heure. On se mange tous les murs. Où est le checkpoint? Il est là. Je n'arrive même pas au finish, quoi. Je vous avais dit, quand je vous disais que c'était ultra punitif, il suffit de rater la montée avec le virage en épingle. Vous avez game over instant, hein. Bon, on va retenter quand même. Alors, je vous ai pas parlé évidemment des graphismes du jeu qui sont. Alors, je vais sortir en 99, si je dis pas de bêtises. Et honnêtement. Non, c'est pas possible, là, à chaque fois on s'est démonté. Faut arrêter, là, de nous rentrer dedans. Non mais. Allô? À chaque fois que je les touche, en fait, je prends quelque chose dans la tronche, quoi. C'est. On va se retrouver devant eux, ce sera plus simple. Voilà, boum boum boum. I want you in my room. Bon, on est passé. Évidemment, je me suis planté. Du coup, on est cinquième. Ils sont tous repassés devant nous. Devant. Alors voilà, voilà la montée. Intérêt à se louper cette fois-ci. Oh, la caméra qui en peut plus. Et on s'est mangé le mur.
vrai qu'on possède un petit peu des murs, ce que je n'ai absolument pas fait. Non mais, c'est pas possible. Ah mais ça sert à rien, je vais avancer, voilà, je vais même pas sauter. Alors on gagne pour 3 secondes sur le temps final, hein, ce qui est vraiment vraiment très très faible. Je rappelle qu'on est qu'à la troisième course. J'ai vraiment même pas essayé de faire des tricks un du tour à 775. Bon, on a gagné. Mais c'était pas fou, hein, parce que même si on gagnait pas, je pense qu'on termine troisième ou autre, on était en dehors du chrono, quoi. C'était pas simple, finalement. Ce serait simple au niveau de l'IA, puisque l'IA est super lente. Par contre, au niveau des chronos, je sais pas ce qu'ils ont fumé. Hein. Allez, c'est parti pour la quatrième course. J'espère que je pourrai vous montrer au moins une course différente, ou un championnat ou autre après. Je pense que oui, parce que là, on va arriver à la quatrième course. Et c'était la dernière, si je dis pas de bêtises, de l'Angleterre, donc pourquoi pas. Ouais, je pense qu'il doit avoir quand même un petit boost. Parce que depuis tout à l'heure là. Voilà, ça nous permet de monter. Je vous ai même pas parlé des vues. Je sais même pas si on peut changer les vues dans le jeu. Peut-être avec la gâchette du haut du bas, non, ça fait rien. On peut pas changer les vues. Donc ça c'est un peu dommage, on a une vue qui est très très proche. J'aurais aimé avoir une vue un peu plus éloignée. C'est par là, mais honnêtement, je savais pas quel était le bon endroit. Hein. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir quelques petits raccourcis. Les IA, en tout cas, pour l'instant, pas l'air trop de me rattraper. Attention aux barrières! Allez. Allez, on est un petit peu dans la forêt. Et oui, à la forêt à l'époque. Dans le futur. Hein. Elle n'a pas encore été totalement décimée. Parce que vous voyez, il est tellement gros, mon personnage, que je sais même pas... des fois, je ne vois même pas ce qu'il y a devant moi. C'est là où c'est un peu dommage. Bon. Peut-être qu'on a réussi. Alors celle-là, on a aussi le premier coup. Comme quoi, on s'améliore un petit peu. Peut-être qu'elle était plus facile que l'autre. Et on a fini. J'ai cru qu'il n'y avait que 3 IA contre nous. Bon, ben voilà, on a réussi, je pense, les premiers. Ah, il y a la course 5. Bon, allez, on va faire celle-là. Et s'il n'y a rien d'autre après, bah tant pis, on se laissera là-dessus. Est-ce que je conseille le jeu? Honnêtement, je prends pas un kiff extraordinaire à jouer à ce jeu, je vous le dis. Après, ça peut plaire à certains. Mais j'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de choses à faire sur les pistes. Des tricks un peu à placer partout, beaucoup de rails, etc. Que les rails soient faciles à prendre. Typiquement, je compare énormément avec SSX. On est à côté du rail, on appuie sur la touche, je crois que c'est la touche rond, enfin, non, ou carré, je sais plus. Et ça marche très bien. Là, c'est random de fou, c'est super dur. Le tutoriel, il faut voir pour le croire, honnêtement, hein, je vous laisserai essayer. Mais je n'ai pas réussi, ou peut-être que j'ai pas compris quelque chose, hein, c'est possible. Mais c'était pas évident. Hein. Ah bah bim, évidemment je vais me prendre le truc. Ça m'aurait étonné. On dirait la version à l'envers du circuit de tout à l'heure. Genre le mode reverse. Si c'est le mode reverse, je rigole. Hein. Par contre, il y avait un truc blanc à récupérer, je sais pas ce que c'est. Non, non, ce changement de caméra au secours, quoi. Et voilà, le changement de caméra qui fait que bah je suis totalement planté. C'est génial. Ok. Ok. Allez, on va leur tenter une dernière fois. Mais je suis fait avoir de la même manière. Hein. C'est toujours à cet endroit que je perds la course. C'est en ratant ce passage. Alors j'imagine qu'on peut débloquer des bornes qui après améliorent notre personnage au niveau du skill, ce genre de choses. Ce qui peut être utile après. Je pense potentiellement qu'il peut y avoir peut-être un mode freestyle, je sais pas. Ce que je vais peut-être vous proposer de faire avant de partir, c'est qu'on va revenir dans le vélodrome et voir si on peut pas accéder à d'autres courses. Parce que là c'est vrai qu'on est que dans le monde
que dans le monde anglais. Et parce que je suis allé dans la zone anglaise. Alors, est-ce que c'était la seule qui était ouverte? Je ne sais pas. J'en ai marre. Je vous le dis, j'en ai marre. C'est bon. On va faire retirer. Allez, c'est bon. C'est bien. J'ai vu. C'est bon. On va pas perdre toutes les courses sur le même virage. C'est juste ok. Oui, j'ai give up. Oui, j'ai le droit. J'ai le droit. Ce qu'on va faire, c'est regarder. Voilà, on a débloqué tout ça. Donc là, on a les courses UK. Mais je pense qu'on regarde. On a d'autres zones. Peut-être qu'elles sont pas ouvertes pour le moment. Hein. Non, elle est pas ouverte. C'est pour ça que je suis allé tout à l'heure, je suis allé tout droit. Si je reviens à gauche, je pense que ben, on peut accéder aux zones. On a le Japon d'un côté. J'ai plus ce que c'était comme pays, ça on le voit pas. Mais j'imagine qu'il y a trois zones à débloquer. Peut-être qu'on peut changer de vélodrome une fois qu'on a passé la suite. Mais là, par exemple, voilà, j'ai que l'UK qui est ouvert. Tout est fermé. Donc non, malheureusement, on ne pourra pas aller partout. Dès le début du jeu, il faudra le débloquer. Mais ça me semble un petit peu logique aussi. Hein. Regardez, donc tout à l'heure, on n'avait qu'une seule qui était verrouillée. Là, on l'a réussi la première. Ça fait penser un petit peu aux salles façon Crash Bandicoot. On a la cinquième. Et on a la course au boss. Si on avait réussi cette course, on aurait eu la course contre le boss. Vous imaginez, on a un boss dans ce jeu. Bah écoutez, je vous laisserai vous martyriser pour voir la suite. En tout cas, est-ce que j'ai aimé le jeu? On va pas se faire de film. Il y a des côtés qui sont bien, le maniement est quand même plutôt agréable en soi, ça flotte, c'est quand même pas mal. Par contre, graphiquement, bon, ça c'est pas fou. Les circuits sont pas fous non plus, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de choses à faire sur les circuits. Et bah, maintenant vous avez vu, hein, rater un seul virage, c'est ultra punitif, donc c'est un petit peu dommage. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même, on se retrouve pour une vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde! Avec une belle musique.